C'est la mauvaise nouvelle économique du jour et elle concerne l'usine Valeo Système Électrique, installée rue François Sever au sud d'Angers. La direction de l'entreprise qui fabrique des alternateurs et des démarreurs automobiles et qui emploie actuellement 230 salariés évoque, je cite, une réorganisation de son usine avec à la clé la suppression de 39 postes. Cette même direction souhaite travailler avant tout sur des départs volontaires. Les syndicats parlent eux de leur côté d'une situation qui débouchera immanquablement sur des licenciements. Cette réorganisation de l'usine a été confirmée hier lors d'un comité d'entreprise. En fin de semaine, Valeo a également annoncé 163 suppressions de postes sur son site de Châtellerault dans la Vienne. En décembre dernier, l'équipementier automobile tablait d'ailleurs sur 1600 suppressions de postes dans ses diverses usines réparties sur le territoire national.